Hola les philo, c'est Snoopy. Alors aujourd'hui, on va parler de système de réputation et donc des percs. Alors, comment ça marche dans Battlefield Arena? Comparé à BF4, c'est tout simple. Il vous suffit de faire des points en jeu, en tuant des ennemis, en accomplissant des objectifs, etc. À partir d'un certain nombre de points que vous avez fait, vous débloquez les paliers. Donc, vous êtes au niveau 1 au début, enfin, vous êtes au niveau 0 plutôt. Quand vous faites un certain nombre de points, je ne sais pas exactement le nombre de points, mais les deux premiers paliers sont assez faciles à accéder. Hop, vous atteignez le premier palier et vous donne l'opportunité, le jeu vous donne l'opportunité de choisir entre deux percs. Au niveau 2, c'est pareil, vous avez toujours l'opportunité de choisir entre deux percs, niveau 3, niveau 4. Donc en gros, pour chaque classe, vous avez 8 percs. Mais vous pouvez en choisir que 4. Donc à chaque palier, vous pouvez en choisir une parmi deux qui vous sont proposées et elles sont propres à la classe. C'est-à-dire que dans BF3, vous aviez plusieurs. Dans BF4, pardon, vous aviez plus. Et dans BF3 aussi, vous aviez plusieurs paires que vous pouviez choisir avant. Là, dans BF Hardline, non. C'est pendant le jeu et c'est propre à la classe. Alors, avant tout. Il faut quand même avoir joué au minimum la classe, puisque si vous n'avez pas débloqué les étoiles de service bronze, qui sont très faciles à débloquer, et si vous êtes tout nouveau dans le jeu, vous n'aurez peut-être pas débloqué, il faut avoir débloqué les 4 premières étoiles de service. Sachant que la première étoile vous débloque le premier carré, donc le niveau 1 de perte, la deuxième étoile au niveau 2, le niveau 3, et la quatrième étoile de bronze vous débloque le quatrième et dernier slot pour le niveau 4 de perte. Sachant que le niveau 3, niveau 4, et surtout niveau 4 sont très difficiles à débloquer si vous êtes seul, puisque étant donné que les percs, à savoir, si vous mourrez, en fait, vous perdez toute la progression du niveau auquel vous essayez de passer, du niveau dans la progression à laquelle vous essayez de passer pour atteindre le niveau supérieur. C'est-à-dire que, comme l'exemple, vous avez atteint le niveau 2, vous êtes déjà dans le niveau 2. Et vous êtes à la moitié pour atteindre le niveau 3. Si vous mourrez, vous repassez, vous restez au niveau 2, vous repartez à 0. La progression est reset. Donc si vous mourrez juste avant, on va dire à 95% de la progression, c'est un peu bête. Parce que vous perdez tout ce que vous avez fait. Et donc voilà. Alors des moyens qui vous permettent d'augmenter cette réputation plus rapidement, il y en a plusieurs. Soit tout simplement vous utilisez les bonus comme je vous ai expliqué à la fin de la vidéo précédente, c'est-à-dire que vous activez un bonus, bien sûr il faut l'activer pour la classe avec laquelle vous jouez, hein, parce que si vous activez avec une classe et qu'après vous jouez avec une autre, faut faire attention toujours, vous activez un bonus de réputation, ces bonus sont assez rares quand même, c'est difficile, c'est assez, moi j'en ai pas eu beaucoup des bonus de réputation avec des pourcentages élevés, genre 100 ou 200%, c'est quand même assez rare. Je pense qu'ils sont très rares. Quoi qu'il en soit, ça vous permet donc de multiplier la vitesse de progression dans les paliers de réputation par le pourcentage que vous avez choisi de booster. Le deuxième moyen, c'est d'avoir si vous avez un hacker dans votre équipe, donc c'est le commander hein, de BF4, dans BF Hardline il s'appelle hacker. Ce hacker-là a une possibilité, c'est-à-dire de upgrade une squad entière et toutes les personnes qui sont dans cette squad gagnent un niveau gratuit, comme ça, un niveau 8500 niveau bonus. Donc bien sûr, c'est intéressant si le hacker utilise cet upgrade quand vous êtes au niveau 3, par exemple. Parce que pour passer du niveau 3 au niveau 4, c'est extrêmement difficile. Sans l'aide d'un hacker, c'est même pratiquement impossible. Donc s'il peut le faire quand la squad est au palier 3, c'est tant mieux, ça sert à rien de le faire au palier 1 au niveau 2 puisque voilà, c'est tellement facile qu'il va perdre le temps, sachant que le cooldown de cet upgrade que le hacker dispose est assez long, donc il vaut mieux la garder pour un peu plus tard dans la partie. Voilà, donc une fois que vous avez donc débloqué les 4 slots pour le niveau 4 de perk, maintenant on va parler des différentes perks qu'on a parmi les classes. Donc on va commencer par la première classe qui est la classe opérateur, la classe assaut si vous préférez en BF3 BF4. Alors quand on est au niveau 0, hop, on atteint le palier 1, on a le choix entre deux percs. Soit
Extreme Abrasive, c'est-à-dire chargeur amélioré en français, ou Fast Climb, escalade rapide. Alors, lequel choisir? Là, les deux sont bien. Le premier donc augmente le nombre de chargeurs que vous avez pour votre arme principale. Et le deuxième vous permet de grimper plus rapidement aux cordes, aux grappins que vous lancez pour aller sur les toits par exemple, aux échelles, et aussi passer par au-dessus des murs. Peu importe, ça dépend. Chargeur amélioré, ça peut être bien dans les situations où s'il y a peu de support, ou si vous jouez pas forcément avec des coéquipiers qui jouent support pour vous aider, si vous êtes un lone wolf entre guillemets, je pense que c'est le meilleur choix à faire. Après, c'est assez situationnel, les deux sont bien. Voilà pour le niveau 1. Le niveau 2, le palier 2, donc Fast Ready ou Healing Upgrade. Alors là, c'est facile. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque. Déjà, il faut savoir ce que c'est. Donc, Fast Ready, c'est. Ça permet en fait, lorsque vous êtes en sprint avec votre personnage, pas quand vous courez normalement, hein, quand vous courez et que vous mettez la touche de sprint, et que donc vous prenez un ennemi et vous visez avec votre arme. En fait, depuis BF4, ils ont ajouté. Implémenté dans le jeu depuis BF4 quelque chose qui fait qu'en fait quand vous passez du sprint à la visée, il y a un petit délai, mais on le sent peut-être pas forcément, enfin certains joueurs ne l'ont peut-être pas senti, mais les joueurs qui viennent de BF3 et qui sont assez rapides, qui ont une certaine dextérité et qui se reconnaîtront, ils l'ont tous senti. Et en fait, Fast Ready, c'est que là vous permet justement de réduire ce temps de latence qui se passe entre le moment où vous sprintez et le moment où vous visez avec votre arme. Healing Upgrade, donc en fait l'autre perk, elle permet en fait de, lorsque vous jetez un pack de soins au sol, elle permet d'augmenter la fréquence de régénération de la vie. Ça peut être pas mal, mais c'est très team play. La seconde perk est beaucoup plus teamplay, la première c'est pour vous tout simplement. Et moi je préfère largement Fast Ready, ça c'est clair, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Troisième réputation entre Fast Aim ou Revive Upgrade. Donc visée rapide ou Revive Upgrade, bon, en français c'est. Bref, vous avez compris, réanimation avancée, voilà. Là c'est pareil, c'est comme Fast Ready. Pour moi, Fast Aim, c'est un avantage que vous donne le jeu de pouvoir viser beaucoup plus rapidement lorsque vous cliquez donc sur le clic droit de votre souris. L'animation se fait beaucoup plus vite. Alors, par combien, multiplié par combien, ça je ne sais pas, mais elle se fait beaucoup plus vite. Du coup, ça vous donne un avantage certain lorsque vous êtes en un contrat par exemple face à un adversaire. Si vous visez plus vite et en plus que vous avez Fast Ready, vous sortez d'un sprint, vous visez plus vite. Et en plus, voilà, vous gagnez des millisecondes. Et des millisecondes dans un contre un, et ça joue à une balle par exemple, et bien vous pouvez gagner le duel et ça joue là-dessus. Et la upgrade, ça vous permet en fait de. La deuxième, c'est aussi beaucoup plus teamplay, ça vous permet de réanimer un coéquipier beaucoup plus rapidement. Ça vous demande de retenir, il me semble, c'est deux fois moins la charge de. Du défibrillateur. Et pour finir, donc le troisième perk, le palier 4 pour la classe opérateur, Fast Reload en premier ou Fast Swap. Alors le premier, donc ça permet de recharger les armes beaucoup plus rapidement, ou le deuxième de changer d'arme, par exemple de passer sur un gadget ou sur l'arme secondaire plus rapidement. Personnellement, je trouve que le second est inutile. Fast Swap, c'est. En classe opérateur, c'est inutile. Encore en sniper, ce serait utile. Pour passer, alors par exemple, vous faites un hit marker avec votre sniper et le mec, notamment, vous switchez sur votre arme secondaire pour finir. Là, oui. Autant en opérateur, c'est inutile. Moi, en opérateur, personnellement, je crois que j'utilise jamais mon arme secondaire. Étant donné que les armes principales, elles sont cheatées, qu'on peut mettre des chargeurs améliorés, bref. Aucun intérêt, donc Fast Reload, ça c'est clair,
c'est la perk niveau 4 à prendre si vous avez l'opportunité, puisque je vous rappelle que pour atteindre le palier niveau 4, c'est quand même assez difficile. Donc pour moi, les choix, ça serait extra magazine, chargeur amélioré, fast ready, fast aim et fast reload pour la classe opérateur. Ensuite, on passe à la classe mécanicien. Alors, premier palier, on a le choix entre une grenade en plus ou flak jacket, il appelle ça. Donc c'est en fait comme une... ça a le skin d'un gilet pare-balles, mais en fait c'est pas un gilet pare-balles, c'est juste un gilet qui vous protège contre les explosions, contre les grenades, contre toutes les explosions en fait, contre tout type d'explosion. Alors là, moi j'ai pas de... Les deux sont bien en fait, tout simplement. Puisque extra grenade, c'est bien d'avoir une grenade en plus, donc d'en avoir deux, c'est pas mal. Tout dépend de le type de grenade que vous avez en fait. Si vous avez des grenades, par exemple lacrymogènes, je pense pas que avoir 4 au lieu de 3 grenades, ça va faire grand chose. Par contre, si vous avez une grenade normale, une 67, qui a un radius abusé, qui est très effectif, pourquoi pas. Et ensuite, sachant que justement les explosions, les grenades, etc., elles sont très efficaces dans ce jeu, même un peu cheatées, je pense. Avoir un gilet qui réduit justement l'efficacité des explosifs, donc permet peut-être de vous sauver la vie à quelques HP. Moi je sais pas. Ça après ça, à vous de voir, mais je pense que flak jacket c'est mieux. Je pense que je prends ça. Alors ensuite, second palier, soit vous avez donc un montant de grenade 40 mm donc pour le M320 en plus, ou soit vous avez une efficacité accrue de la torche, d'accord, pour réparer les véhicules. Alors là c'est pareil, c'est situationnel. Si vous jouez dans une map infanterie, fast repair, ça va servir à rien puisque vous n'aurez pas de véhicule à réparer, donc vous allez forcément prendre extra 40 mm de grenade. Si vous jouez pas M320, ça sert à rien non plus. Donc en fait, le tier 2, là, il peut être inutile si vous jouez ni. Si vous êtes dans un serveur infanterie et que vous ne jouez pas M320. Donc en général, on prend M320, puisqu'il y a. À part le gilet pare-balles et le M320, il n'y a pas grand chose d'autre à prendre. Bref. Voilà, ça c'est après, c'est votre choix. Ensuite, troisième palier, fast aim. Donc comme pour l'opérateur, visée rapide. Ça augmente l'animation, ça accélère l'animation à laquelle quand vous appuyez sur le key droit pour viser, ou delayed trigger. Alors personnellement, comme je vous ai dit, moi je prends fast aim quoi qu'il arrive quand on me propose ce choix, puisque en cas de duel on a un léger avantage mais qui peut vous sauver la vie et permettre de tuer votre adversaire, puisque vous avez un petit bonus de vitesse au moment où vous visez. Après, en classe ingénieur, étant donné qu'on a beaucoup de PW qui ont un très bon fire, un tir au jugé très bon, souvent on ne vise pas. On ne prend même pas la peine de viser, puisque pas la peine. Mais bon, quand même, je préfère. Delay trigger, ça vous permet juste de. Lorsque vous passez sur une mine, une trip mine, une mine laser, ou bien lorsque vous ouvrez une porte qui a été sabotée. Ce qui est très rare, le sabotage sur les portes, moi j'en ai jamais vu personnellement, j'ai toujours vu sur les voitures et encore sur les véhicules, et encore c'est très rare. Ça vous permet justement que ces bombes-là, elles soient activées à peine plus tard, donc du coup ça vous permet de survivre à l'explosion. Personnellement, entre ça et viser rapide, je préfère largement viser rapide. Et le dernier, donc tier 4 pour le mécanicien, fast reload, donc chargement amélioré, ou fast web, donc c'est les mêmes que pour l'opérateur. Donc là pareil, hein. Moi je prends fast reload, déjà que le rechargement des armes des PDW sont très rapides, là ça vous permet vraiment de recharger à une vitesse de malade, notamment si vous jouez la K10, Cancer 10, comme on appelle ça, c'est un cheaté qui va être nerf au prochain patch. Qui recharge déjà très très rapidement quand vous avez encore deux balles dans l'arme. Là, imaginez-vous. D'accord. Donc pour moi, ce serait donc Flak Jacket en 1,
En dos, tout dépend si vous jouez soit une 320 ou alors si vous jouez sur un serveur où vous avez besoin de réparer le véhicule. Là, c'est situationnel. En 3, fast aim, jeu rapide, et en 4, rechargement amélioré, fast reload. Ensuite, pour la troisième classe, donc la classe Enforcer, la classe support. Alors, premier palier, on a fast throw. Alors, ça vous permet en fait d'envoyer les grenades plus rapidement, c'est-à-dire que l'animation de votre personnage quand vous appuyez sur la touche G, ou alors si vous prenez la grenade dans votre main et que vous la lancez, elle se fait beaucoup plus rapidement. Donc vous avez le choix entre ça ou Reduced Fall, c'est-à-dire quand vous chutez, quand vous sautez d'une hauteur, vous prenez moins de dégâts. Bon, personnellement, je pense que Reduced Fall, c'est un peu inutile dans le jeu, puisque si vous appuyez sur la barre d'espace quand vous sautez, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas mourir. Mais Fast Throw, en fait, je l'ai déjà pris, et j'aime pas du tout, ça fait une animation dégueulasse, enfin, moi j'aime pas du tout, et en plus j'aime bien avoir ce petit délai quand j'appuie sur la touche. Par exemple, je suis derrière un mur, et un mur qui peut être décalé dans un angle, je suis derrière le mur, j'ai vu qu'il y avait des ennemis de l'autre côté du mur, j'ai le temps d'appuyer sur G, de rester derrière le mur, j'appuie sur G, et au moment en fait où mon gauche dégaine la grenade et je vais la lancer, je peux me décaler, comme ça en fait je fais juste un petit décalage et ma grenade elle part et ensuite j'en ai. Du coup en fait je préfère l'animation normale plutôt qu'avoir la possibilité de lancer la grenade plus vite en fait, tout simplement. Donc je prendrai la deuxième, même si je pense que la deuxième elle est pas très utile non plus. En gros le palier 1 en support il est un peu mieux. Alors le palier 2 c'est... Vous avez le choix entre Fast Ready, donc c'est toujours pareil, c'est entre le temps où vous arrêtez de sprinter, vous sprintez, et au moment où vous visez, en fait, votre arme, elle est prête à être utilisée, ou Upgraded Ammo Box. Donc en gros, Upgraded Ammo Box, c'est comme en classe opérateur, ça augmente la fréquence à laquelle vous ravitaillez vos ennemis en munitions. Ça, je trouve que, personnellement, c'est un peu inutile. Le Fast Ready c'est tellement bien que voilà, il n'y a pas de pilote là-dessus, on prend Fast Ready. Niveau 3, donc palier 3, vous avez le choix entre Fast Aim, Visée Rapide ou Extra Charge. Alors, là, moi je vous dirais que de toute façon je prendrai Fast Aim quoi qu'il arrive, comme d'habitude, pour gagner mes duels, enfin en tout cas pour avoir plus de chance lors des duels. Extra Charge, si vraiment vous utilisez les C4, si vous avez vraiment besoin de ça, pourquoi pas. Moi personnellement je trouve que dans ce jeu là, comparé aux autres Battlefield, on utilise beaucoup moins les C4. Pourquoi je ne sais pas, bon, il y a moins de véhicules déjà, mais moi j'utilise beaucoup moins les C4 dans ce jeu là que dans l'autre. Donc moi je prendrais toujours, j'en vois moins l'utilité en fait. Ensuite, dernier palier 4. Alors, soit vous avez une perte, donc ça c'est vraiment propre à cette classe, il n'y a que dans cette classe là que vous avez le choix entre ces deux là, soit d'avoir la perte qui augmente votre suppression, la suppression que vous faites à vos ennemis quand vous leur tirez dessus, ou plutôt quand vous leur tirez à côté, parce que la suppression c'est quand vous tentez les balles et le fusil à côté d'eux, ou plutôt reduce suppression, c'est-à-dire ça réduit la suppression lorsque des ennemis vous tirent dessus, vous tirez à côté. Alors là non plus il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Si vous avez le choix entre ça, c'est comme dans BF3, d'accord. Vous prenez la perte qui réduit la suppression. C'est... Alors dans BF1, il n'y a pas beaucoup de suppression, hein, d'accord. Mais il y en a quand même un petit peu, des fois on la sent. Même, il y a toujours même cette mécanique qui sont appelées dans BF4, où lorsque vous êtes suppressé et que vous avez un peu de son à vos pieds, et ben ça ne vous heal pas pendant un certain temps. Dans BF1, ça l'est encore. Même si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, ça l'est encore. Et donc c'est de la merde. C'est une mécanique d'ajoutée qui est vraiment nul à chier. Et donc si vous avez la possibilité, si vous avez le choix entre ces deux pertes-là, bien sûr, il faut prendre la seconde. Celle qui permet de réduire la suppression que votre joueur subit, puisque la suppression, on n'aime pas ça, c'est de la merde. Si vous vous rappelez BF3, vous savez que c'est de la merde. Et que sûrement que la perte cover était l'une des pertes phares à prendre avec le sprint. Bien d'accord. Donc là, vous prenez ça.
Et ensuite, pour finir, donc la classe professionnelle, donc la classe sniper, recon, celle que moi je joue principalement. Alors, palier numéro 1, fast climb, donc ça veut dire escalade rapide ou reduce fall, chute atténuée, je sais pas comment on peut appeler ça en français. Alors là, comme je vous l'ai dit, reduce fall, c'était un peu, je trouvais ça un peu inutile dans le jeu, puisque quand vous tombez, quand vous sautez d'un toit, etc., vous pouvez déclencher votre parachute. C'est un peu inutile. Autant prendre fast climb, surtout pour un professionnel. Bon, moi, je ne joue pas avec ça, mais je pense que beaucoup de snipers jouent avec le grappin pour se mettre sur des positions un peu sur des toits, des positions qui sont un peu des fois qu'on peut pas accéder si on n'a pas de grappin. Ben là, ça nous permet de grimper plus rapidement, justement. Et puis, de toute façon, il y a toujours des échelles à grimper ou des petits murs à sauter. Des fois, c'est super bien d'avoir de pouvoir le faire plus rapidement pour justement avoir éviter de se faire tuer lorsqu'on monte une échelle ou un truc comme ça, parce que ça c'est des morts un peu comme et souvent ça fait rager. Donc je trouve quand même que cette perte là, escalade rapide, elle est quand même assez intéressante. Et je pense que en sniper, en professionnel, c'est sûrement la classe où cette perte là est la plus intéressante par rapport aux autres. Ensuite, le palier 2. Donc on a Advanced Spot ou Fast Unspot, c'est-à-dire en gros le choix entre lorsque vous spottez un ennemi avec votre touchpad, avec le A, avec la touche A, par défaut en tout cas si vous voulez changer, je ne sais pas. La première, donc spot amélioré, elle vous permet en fait d'augmenter le temps à laquelle vos ennemis sont spotés. Le petit triangle rouge, d'accord, le 3D spotting dans BF, c'est ça. Si vous avez cette perk, ça va vous permettre d'augmenter le temps à laquelle les ennemis sont spotés, ou alors l'autre justement. Ça va vous permettre, c'est une perte plus défensive et c'est pour vous, c'est-à-dire que ça réduit le temps à laquelle vous êtes spoté par un ennemi. Lorsqu'un ennemi vous a accusé, vous a spoté, vous ne savez pas forcément, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes spoté, mais ça permet de vous despot beaucoup plus rapidement. Donc moi en tant que sniper, c'est une classe qui. Voilà, qui se doit d'être quand même entre guillemets infiltration, enfin. Essayez de pas trop se faire repérer parce que vous n'avez pas forcément l'avantage, en tout cas en mid-range et close-range. Tout dépend le snipe qu'on a, mais bref. Moi, je préfère prendre fast and spot, c'est-à-dire voilà, une perte qui est beaucoup plus défensive que de prendre quelque chose voilà, qui me permet d'augmenter le temps avec un ennemi et spotter. Ça, je m'en fous un peu. Alors, réputation, palier 3. Donc, on a le choix entre hold breath ou low profile. Alors, là, c'est assez situationnel aussi, sachant que j'ai parlé de la seconde en premier, je trouve que la seconde, en fait, elle est un peu inutile dans le jeu, étant donné qu'en fait, donc low profile, c'est profil bas, ça, elle était aussi sur BF4, cette perte. Elle vous permet tout simplement de ne pas être détecté par les caméras de sécurité et les caméras des hackers, qui sont sous le contrôle des hackers. Alors, premièrement, les caméras, donc, qui sont les caméras de... qui sont utilisés par la classe professionnelle, d'accord, ce sont des caméras qu'en fait personne n'utilise. Les seules caméras que vous voyez, c'est parce que les gens ils essaient de faire leur mission avec pour avoir des 3 fins de carreau. En dehors de ça, personne n'utilise, donc c'est quelque chose, c'est un gadget qui est inutile. Donc voilà, donc déjà ça vous pouvez la moitié de la peau vous pouvez l'enlever. Et ensuite les caméras des hackers, bon d'accord, faut déjà qu'il y ait un hacker dans la partie en face, etc. De toute façon, cette perte là, je la trouve quoi qu'il arrive inutile, puisqu'en fait vous êtes indétectable par ces caméras là seulement si vous courez mais sans sprinter, c'est à dire courir normalement à 2 à l'heure. Personnellement, je crois que personne ne fait ça dans le jeu. Il n'y a aucun intérêt à courir sans sprinter dans le jeu, puisque ça prend du temps et on a beaucoup plus de chances de se faire tuer du coup, puisqu'on a une cible qui est mobile mais avec une mobilité réduite, justement. Donc c'est beaucoup plus facile pour un ennemi de vous tuer lorsque vous courez doucement que lorsque vous courez vite. Donc en gros, personne ne court comme ça, tout le monde sprint quand on se déplace, donc c'est un peu inutile. Vous serez jamais en fait, vous serez toujours détecté quoi qu'il arrive, même avec cette perte. Ensuite, hold breath, donc ça permet en fait, dans BF4 c'était aussi elle était aussi là, cette perte. Ça vous permet de retenir votre souffle plus longtemps. Lorsque vous appuyez sur la touche donc de votre clavier, retenir votre souffle, moi c'est C personnellement.
Alors, ça peut être utile seulement pour ceux qui ont donc des lunettes avec une qui est minimum x6, puisque les autres, donc les x4 ou les petites, il n'y a pas besoin de retenir son souffle en fait, elle bouge pas la lunette. Donc si vous n'avez pas de lunettes, si vous jouez avec un sniper avec une lunette inférieure à la x6, ça sert à rien de prendre cette perte, puisque de toute façon vous n'en avez pas besoin. Donc autant prendre l'autre flingue, même si elle sert à rien. Moi personnellement je joue avec une x6, donc je vais prendre retenir son souffle. Et dernier, donc la dernière perk, le niveau 4 en professionnel, donc on a le choix entre fast reload, rechargement amélioré, donc qui recharge plus rapidement vos armes, que ce soit l'arme principale ou l'arme secondaire d'ailleurs, ou delay trigger. On avait vu ça aussi, c'était donc en mécanicien aussi, là, on a l'opportunité d'apprendre, qui permet donc de lorsque vous passez devant une mine laser ou bien ou une porte qui est sabotée, de potentiellement ne pas se faire tuer puisque l'explosion va être un peu retardée. Alors là, là il n'y a pas d'équivoque non plus. Prenez rechargement amélioré, rechargement plus rapide, pardon. Vous allez voir que lorsque vous rechargez vos snipers, surtout que maintenant dans Black Hardline, la plupart des snipers, à part le scout qui a 11 balles dans le chargeur, mais tous les autres en ont 6, que ce soit l'AW, le R700 ou le 300 Knockout, ont 6 balles. À moins que vous ayez pris, que vous ayez mis le chargeur amélioré sur l'arme. Mais bon, je pense que tous les snipers, enfin tout le monde va être d'accord avec moi, le meilleur choix, ça reste quand même la manœuvre rectiligne, d'accord, pour pouvoir tirer, pour avoir une plus grande une fréquence de tir maximale, d'accord, entre chaque tir, et de pouvoir aussi recharger votre culasse lorsque vous êtes tout en maintenant la visée. Donc en gros, tous les snipers, ils ont 6 balles à part le scout. Si vous jouez le scout, mais même justement, vous avez que 6 balles dans le snipe, c'est-à-dire que vous allez recharger beaucoup plus fréquemment que dans les autres battlefields, et avoir une réduction du temps de rechargement des snipers et même des armes secondaires, c'est un must have. C'est de loin la meilleure perte en classe professionnelle. Mais de loin, c'est la meilleure. Vous verrez si vous avez l'opportunité de l'avoir. Parce que tier 4, c'est toujours pareil, c'est difficile à avoir dans une game. On est content quand on l'a, et souvent c'est un peu vers la fin, donc c'est un peu dommage. Si vous avez la possibilité, prenez ça et vous verrez, c'est abusé, c'est nickel.